Salut Germain. Salut Polo. Il n'y a pas le compte. T'as oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié de te dire qu'en plus d'un connard, t'es un voleur. Il n'y a pas le compte. Il y aura le compte, il vient de finir ton travail. Casse-toi. Quoi? J'ai fini mon travail. Simplement, j'avais dit en 10 heures, mais je l'ai fait en 8 heures. Mais le travail, il est fait. Fumier, va. Fumier. Ah, bordel, gars. Ah, fumier. Casse-moi, pauvre con. Va ta gueule, voleur. C'est à moi que vous parlez? Oui, jeune homme, je vous disais qu'il y en a 19. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bah, que vous me disiez jeune homme. Mais vous êtes un jeune homme par rapport à moi. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi comptez-vous les pigeons? Bah, pour savoir s'il en manque ou s'il y en a de nouveaux. Ah, d'accord. Le petit, là, avec une plume blanche sur l'aile. C'est un nouveau, il n'était pas là samedi. Hein? J'ai remarqué. J'ai appelé plume blanche. Ouais. Vous leur donnez aussi des noms? Pour mieux les reconnaître. Si on regarde bien, il n'y en a pas deux pareils, hein? Ils ont tous leur caractère, c'est comme les gamins. Vous avez des enfants? Non. Et vous? Non. Non, mais si vous aviez eu des enfants, vous n'iriez pas... Vous n'allez pas les confondre. Parce que j'en avais eu 19, c'est à voir. Mais alors les autres, là, dites-moi les noms. Ah, les autres. Oh, ben là, c'est Pierrot et Cocotte, là, qu'ils n'arrêtent pas de se bécoter. L'autre à côté, là, il s'appelle Têtu, Mouche. Ici, c'est Biscotte. Et puis, celui qui veut toujours avoir le dessus, là, c'est Jeannot. Là, l'autre, il a une plume dans le bec, là, c'est Voleur, je l'appelais Voleur, il prend toutes les plumes. Et puis là, la petite qui fait sa maligne, là, vous voyez, ben c'est Marguerite, ça. Ah, et comme puis... moi. Ah bon? Oui. Moi aussi, je m'appelle Marguerite, avec deux T. C'est mon pauvre père, quand il est allé me déclarer à la mairie, mais il savait pas trop bien écrire. Alors après, ma mère a voulu garder le nom comme ça, ça leur a plu. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Il y en a qui sont nés par mégarde. Bon, faut que j'y aille. Alors, pour un autre jour, peut-être? Ah, c'est pas... Oh, merci, monsieur. Merci. Monsieur, comment? Chaz. Germain Chaz. Eh bien, monsieur Chaz, je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Et merci de m'avoir présenté votre nombreuse famille. Mais... Ah, mais faut pas laisser votre sac, là, parce qu'il y a des petits voyous qui peuvent vous le prendre. Mon poupe. Pour ce qu'il y a dedans. Eh oui, mais c'est pas écrit dessus. Ah. Hein. Allez, on y va. Ouais. Ecco. Salut Germain. Ah, Germain, viens, c'est mon anniversaire. Ah. Ah. Il voilà. Est bon ton mousseux. C'est pas du mousseux, c'est du blanc de blanc. Mais dis-moi, ça te fait quel âge exactement? Ah, mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Secret des fans. Oh, bon. Salut Youssef. Bah, ça, il fait plus, hein? Hein? Il fait plus. Ma peu piacere, ma peu piacere. Oh, mais t'es des cons, non? Mais merde. Voilà. Monsieur Landremont, un petit verre? Merci, cher ami. Jamais d'alcool. À quoi son? Alors, un roi qui a perdu la tête en 5 lettres. Spaghetti, pomodoro, on enlève. Vous avez vu la môme là-bas? Elle est canon. Hein? Je vois rien, moi. C'est l'infirmière du dispensaire, je suis tombé red dingue. Et je sais pas comment faire Capet pour... Capet. Louis Capet. Hein? Louis XVI décapité en 17... Mais là, qu'il sait, là? Celle en rose. J'en réclame deux museaux et un jour, à suivre. Il y a plus de jours, terminette. Le pomodoro, là, c'est pour qui? Pour la jeune dame devant la fenêtre. Laisse-moi faire, là.
Alors c'est ce que tu veux. Zéro par zéro, égal zéro. Mais plus jamais on se revoit, d'accord? Plus jamais. Ah non, mais c'est pas la peine, hein. Bon, j'ai plus de pas du tout. Ah, t'es un beau salaud. Tu sais quoi d'ailleurs, j'enlève beau. T'es un salaud. Il arrange le coup pour toi. C'est pour qui? Oui, c'est pour moi. Quoi? Oui, mais tu vas me laisser parler. Ah non, mais laisse-moi parler là. Si tu parles, j'entends rien. Arrête de parler tout seul. Et avec ça, qu'est-ce qu'on boit? Rouge, un verre. Ouais? Oui? Et ben, c'est quoi là? Je t'écoute même plus. Excusez-moi de vous déranger, ma Marie-Christine, c'est vous? Non, c'est Stéphanie. Hein? Non, mais Yannick, elle me parle, je comprends. Tout va bien, elle est en train de larguer son type. Francine, donne la merde qu'on durone. Toi, tu lui portes, elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie. Merde, t'es balèze, toi. J'y vais maintenant? Ben oui, oh. Pas demain matin, non? Francine, tout ça c'est pour moi, tu marques, hein? Oui, c'est ça, et tu me payes quand? Eh ben ça, je peux pas te le dire, secret défense, ça! Ça, c'est un secret défense. Comment on appelle ça? Youssef! Tu peux toucher? Viens ici. Salut! Salut, salut, Irène! Ça va? Ben dis donc. T'as fini ton numéro de plaquette, là? Oh, allez, je mets un peu d'ambiance. Ben, c'est ça, apportez ça au domino. Tu m'aimes? Tu me fais un petit bisou? Allez, un petit bisou alors. Oh. Oriente Maupassant. 1, 2, 3, 4, 5. Oriente. Ben, guide, hein? Guide Maupassant. Hein, t'aurais pas trouvé ça, toi, hein? Y a pas de risque. Un guide Maupassant. Quoi? Ben, si. Le guide Maupassant, je connais, c'est comme le guide Michelin. Oh non. Le guide Maupassant? Non, mais c'est bon, quoi. Le guide Maupassant comme le guide Michelin. Ouais. Oh, le béret. Le béret. Ouais. Non, rien, non. Mais putain. Quoi, ouais, ça va, toi? Camembert, hein, le garagiste qui a son bac, là. Alors, Chaz, on ne connaît pas la réponse. Monsieur Chaz est dans la vase. Je crois que le problème de Chaz, c'est qu'il lui manque une case. Je dirais même plusieurs cases. N'est-il pas Chaz? T'as du courrier? T'as du courrier, là? Oh. Bon, je le laisse là. C'est pénible, hein? Bravo! Non mais quel taré! Laissez Madame Chaz, je m'en occupe. Non, non, je vais le faire. Pousse-toi! Il me fait que des bêtises et je suis polie. Déjà quand il est né, on a dû me le tirer au forceps. 10 heures à souffrir, pire qu'une bête tellement qu'il était gros. 10 livres! Vous savez ce que ça fait, 10 livres? Ça fait 5 kilos. Ça fait ça. Un filet de patate, un paquet de riz, une bouteille d'huile, 1 litre de margarine. Et après, on se retrouve avec ça. Ça mange, ça coûte, c'est sale. C'est toute la satisfaction que ça donne. Ça. On parle d'un être humain en l'appelant ça. Même un chien, je l'appellerais toi comme ça. Si j'avais un chien, j'ai au moins le chien. Ça. Viens là. Ben oui, oui. Les gens, avant de faire des enfants, ils devraient y regarder à deux fois. Parce qu'un gamin, c'est pas comme un clébard, on va pas l'abandonner au bord de la route. Qu'est-ce que tu marmonnes, mon poussin? Je marmonne que... Je pense que... Ah, oh, puis ça me fait chier, tiens. T'as quoi? Il y a bien des familles, quand même, où il y a des moments de tendresse. Hein, on t'ébouriffe les cheveux en te disant, tiens, celui-là, c'est tout le portrait de son père. Moi, je suis le portrait de personne, à part d'une paire de burnes. Tu pourrais parler de ton père autrement, quand même. Qu'est-ce que tu veux? Sur 15 mots, j'en dis 12 qui sont vulgaires, des grossiers, qui salissent les choses. Je connais pas l'autre chose. Tu veux pas parler de mon père autrement? Parce qu'il n'existe pas, pas plus que moi, d'ailleurs. J'ai pas eu de modèle. J'ai dû tout découvrir tout seul. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, heureusement que t'existes. Tous les jours, je me dis que j'ai de la chance. La chance de quoi? Mais parce que je t'aime, mon poussin d'amour. Oh. Oh. Oh, j'aime bien quand je suis dans toi.
C'est là que je suis le mieux. C'est doux, c'est chaud. On se croirait dans de la soie, dans de la plume. Tu connais, toi, le guide Maupassant? Oh, Germain, oh! Ouais! C'est qui? C'est Julien. Il faut que tu viennes m'aider. C'est l'Andremont. Il pleure, il gueule. Il veut se bazarder. Oh, merde. J'arrive! Ah, putain. C'est l'Andremont, ça prend de temps en temps. Ah, impossible depuis qu'il a perdu sa femme. C'était quand? Oh, c'était il y a 3 ans, je suis pas allé mort d'un cancer. Chier. Attends, il m'appelle au secours après, il va pas mourir, ce con. T'avais du monde? Oui, c'est Annette. Désolé, hein. J'en ai marre de tout, tout le monde me fait chier, c'est pas compliqué, non? Ah, il a fait le plein et pas d'eau minérale, je peux te dire. Bah alors? Et où? Dans un an! Merde à tous, c'est clair, non? Bon, putain, ouvre! C'est pas ton maître Milam qui va la faire revenir, hein! Mais elle est morte, quoi, elle est morte! Mais dis pas ça! Ouais. Mais si t'en peux. Ça va aller, l'Andremont, ouvre. Bon, ouvre, allez! Mais tu veux pas qu'on pète un carreau quand même? Bah non, l'Andremont. Donne ça. Fais pas le con. Fais pas le con. L'Andremont. Je fais pisser, les gars. Mais c'est ça. Va, va. Il commence. Germain! Je le crois fort. Mais c'est pas possible, tu remets ça, il y en a marre, hein? Eh oui, je remets ça, je suis bien obligé. À chaque fois, vous l'enlevez. Mais c'est un monument public, Germain. Et qui ça gêne que je mette mon nom avec les autres? Qui ça gêne, c'est réservé aux morts. Tu peux pas comprendre ça? Pour être mort, pour être dessus? Eh ben oui! Et mort à la guerre! Oh là là, bon. Mais bon sang de bois, pourquoi tu fais ça, hein? Dis-moi pourquoi! Pour faire chier. Bonjour, monsieur Chaz. Y a le comte? Oui, ils sont tous là. Aimez-vous lire? J'ai eu l'occasion, puis ça s'est pas fait. Oh, Morbac, là, mollo, là! Hein? Comment l'appelez-vous? Morbac. Ça ne m'avance pas plus. Morpion, si vous préférez. Ah, vous voulez parler des poux de pubis? Oui, mais c'est comme ça aussi qu'on appelle les gosses, parce qu'ils sont tout le temps accrochés à vous, qu'ils ne vous lâchent pas, puis des fois c'est énervant. Ah oui, 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 d'où la comparaison avec le Morbac. C'est ça, voilà. Vous avez compris? Oui, oui, je vous ai compris. Ah, justement, j'ai un copain qui s'appelle Jojo Zecou, qui a un perroquet, puis il l'a appelé De Gaulle, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Je vous ai compris! Je vous ai compris !» Il est cuisinier, votre ami? Vous connaissez Jojo? Ah non, je n'ai pas ce privilège. Mais comment vous savez qu'il est cuisinier? Vous venez de me dire Jojo Zecou. Oui. Zecou, en anglais, ça veut dire le cuisinier. Ah, Zecou, ça veut dire... Ah mais oui, d'accord, d'accord. Ah ben oui, c'est comme le charcutier de la place Hobloum, il s'appelle du pâté. Et puis le menuisier, il s'appelle la planche. Oui, Jojo le cuisinier, mais en anglais. Ah ouais, d'accord. Ah. Je sais même pas s'il le sait, ça. Hé hey Jojo, t'as bien fait de te mettre cuisinier avec ton nom. J'ai compris. Ah, excuse-moi, grand. Eh ben oui. Tiens, donne-moi plutôt un coup de main. Ah non, laisse ça. Là. Alors, je le pose où, ça va, hein? En milieu de ça, là. On a une noce ce soir. Ah, une noce. Hé, hey, l'Andremont. Je disais à Jojo qu'il avait du beau d'être cuisinier. En s'appelant The Cook. Qu'est-ce qu'il raconte pour comme celui-là? Eh ben, t'as pas compris? The Cook. Le cuisinier, mais en anglais. Ah, ça t'était passé au-dessus de la tête, ça. Oh putain, la couche, dis donc. Complètement imperméable. Germain. Oui. Mon nom, c'est Pelletier. Tu vois, je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'étais en Angleterre. Alors, c'est un surnom. Oui, d'accord. Tu vois, mon nom, c'est Pelletier. D'accord, ça va. C'est un surnom. Eh oui, c'est comme si on disait de toi The Con, tu vois. T'as pas envie de pisser, toi? Oh, arrêtez! Germain, il est pas plus con que vous! Et en plus, c'est le plus gentil. Qu'est-ce que tu bois, mon Germain? Donne-moi un petit blanc.
Tiens, Francis, s'il te plaît, tu pourrais me prêter ta camionnette parce que j'ai un gros marché à faire mercredi. Comme tous les mercredis, mon petit Germain. Ah, ouais. Salut, Germain. Salut, Yous. Oh là là. Oh, dis donc, tu t'es parfumé, toi. T'as un rendez-vous? Oui, il a rendez-vous avec moi. Ah, Stéphanie. Salut, Stéphanie. T'as vu, c'est Julien. Julien, c'est un gars comme ça. Comment vous le trouvez, vous? Ben lui, il vous trouve très très bien. Et même mieux que ça, Germain, même. Germain, s'il te plaît, ben non, mais il est timide en plus, il veut pas vous le dire. T'es lourd, là. Et moi, si j'étais vous, je n'hésiterais pas à prendre un rendez-vous parce que vous savez, il y a une sacrée liste d'attente. Germain, hein, faudrait peut-être que tu ailles chercher des tomates dans ton potager avec Jojo parce qu'on est à court, là. Hein, Jojo? Les tomates, on en a encore plein la réserve. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est urgent. Ah, ben, d'accord. Allez, allez, Germain, on est parti. Allez, t'as un temps. Allez, au revoir, Stéphanie. Vous voulez aussi, c'est un drôle d'odeur. C'est vrai. Tiens, regarde là. Vas-y, serre-toi, hein, te gêne pas. Vas-y. Et quand je lui donne, elle me les jette à la gueule. Ah, elle préfère voler. C'est pas beau, ça. Tu plantes tes merdes chez moi, j'ai quand même le droit de m'en servir, non? Mais tu fumes trop, combien de fois il faudra que je te le dise? Faut pas me le dire, faut la fermer. Surtout toi. J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. Je l'ai pas choisi. Elle m'a pas choisi non plus. Bah, je comprends mieux pourquoi tu t'es tiré de chez elle. Pourquoi que t'es resté là, là, si près, avec cette caravane? T'aurais pu chercher plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Je peux même aller au bout du monde, hein, tu sais. Entre ma mère et moi, la distance, elle est dans la tête. Hein, c'est symbolique. C'est ça, oui, c'est symbolique. Et puis, regarde. Et puis, j'ai mon potager. Hein, viens, viens voir. C'est moi qui ai fait tout ça. Tu vois? Regarde ça, les petits choux, là. Et la scarole. Et les poireaux. Hein? Tiens, tiens, regarde la terre, là-bas. C'est moi qui l'ai fait, ça. Tiens, si tu veux des tomates. T'as qu'à dire ce que tu veux, tu vois. Regarde, t'as de la cœur de bœuf. T'as de la noire de Crimée. T'as de la... Tiens, fais ça, ça. Ça, tiens, vas-y. C'est quoi, ça? C'est la marron. Allez, voilà, voilà. Allons-y, mesdames, allons-y. Elles sont belles, mes tomates, les poireaux, mes navets. Et puis, elle est belle aussi, la romaine, la batavienne, la frisée. Ah, comme mademoiselle. C'est gentil de m'appeler mademoiselle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, choisissez-les, voilà. Ah, vous aimez les gros, je vois ça. Vous n'avez pas de melon? Non, le melon, c'est Clo-Clo, Clo-Clo. Attendez, mais si vous voulez, pour accompagner vos melons, il y a un vin formidable là-bas chez M. Seguin. Allez-y, quatre, vous avez pris les gros? Alors, ça nous fait deux vins. Si vous avez 20 centimes, ça sera bien, vous avez pris, voilà. Merci beaucoup, merci. Ah, c'est bien, belle frisée. Allez, dis donc, il faudrait que tu te fasses penser, vendredi, il faut qu'on remonte du melon. Oui, mais vendredi, je peux pas venir t'aider, j'ai ma prise de sang. Encore? C'est un vampire, toi, l'infirmière, là. Mais comment aller avec toi? Évasive. Ah ben c'est déjà ça. Allez, 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 venez. Venez, mademoiselle, ah, jolie blonde. Ah non, c'est pris, là. Quoi? Bah oui, c'est pris. Comment ça, c'est pris? Quel culot. Bonjour, monsieur Chase. Ah, mais vous pouvez m'appeler Germain, si vous voulez. Vraiment? Bon, oui. Ah, oui, je me le permettrais seulement si, de votre côté, vous m'appelez Marguerite. Non. Si vous y tenez, moi, je n'ai pas d'inconvénient. J'y tiens absolument. Alors, c'est d'accord. J'ai été retardée par mon neveu et sa femme qui sont arrivés de Belgique. Oui, ils ont débarqué sans tambour ni trompette, une petite affaire d'argent. Mm-hmm. Vous voyez, je vous raconte tout comme si nous avions un rendez-vous. Un rendez-vous d'amoureux, hein? Il a l'air bon, votre sandwich. Vous en voulez? Oh non, non, merci, je viens de déjeuner. Mm-hmm. C'est drôle de voir à cette heure-ci un homme dans le jardin. Vous n'avez pas de travail? Ah, si, j'en ai plusieurs, si je veux. Mais là, j'ai fini, je te repose. J'ai pensé à vous hier soir. À moi? Oui. Pourquoi? Enfin, à vous et à nos pigeons. Vous savez ce que c'est quand on range des livres? On en feuillette toujours un ou deux comme ça, par hasard. Oh. Et alors là, je suis tombée sur une phrase. Bon, naturellement, je l'ai perdu, mais je vais retrouver. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons,
sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lie que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Ça vous plaît? Oui, mais vous pouvez pas le... recommencer du début, là. Mais pas trop vite, sans vous commander. Ah oui, oui, avec plaisir. Pardon. Voilà. Comment faire? Imaginez, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin. Oui, mais ça peut pas exister. Mais c'est pas mal, votre bouquin, là. Comment ça s'appelle? La peste. Ah. D'Albert Camus. Albert? Ah ben, c'est comme mon grand-père. Je vous le prête, si vous voulez. Ah non. Oh non, vous savez, moi, la lecture... Non. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. En arrivant au port? Bravo! Même quand il lit, Monsieur Chaz fait des fautes d'orthographe à voix haute. Est-ce que je vous en lis d'autres passages? Ah oui, ça ne me gêne pas, moi. Mais moi, ça m'arrange parce que j'aime beaucoup lire à voix haute. Ah. Seulement les gens qui passent, qui me verraient sur mon banc, toute seule, en train de baragouiner, qui me prendraient pour une... Une vieille barge, oh, ça oui. C'est sûr. Ça. Une vieille barge. Oui, une barge, c'est une bécasse, ouais. N'est-ce pas? Alors, vous êtes pressé? Non, non, ça peut aller. Bon, alors, on se lance à l'aveuglette. Bon, je saute les premières pages pour entrer directement dans l'action. Ouais. L'histoire se passe à Oran, en Algérie. Je sais. Comment, vous l'avez lu, alors? Non, non, je veux dire que je sais que Oran, c'est en Algérie, puisque j'ai un autre ami, Youssef, ses parents sont de là-bas, sont de Oran. Ah bon, très bien. Alors, voilà. Car à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes dont l'agonie était trop longue. Partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas dans les poubelles ou en longue file dans les ruisseaux. Vous dormez? Ah, non, j'imagine. Continuez, continuez. Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Ah. Dès le quatrième jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts. Ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. C'est joliment écrit, n'est-ce pas? Oui, ça, dès le début, j'ai été chopé par les oreilles comme on attrape un lapin. Pouh! Ces rats, là, tout gonflés, puants, couinant tout autour, là, c'est comme si je les voyais. Là, s'il y avait une bestiole qui me débecque, c'est bien les rats. Mais vous n'avez jamais rien lu de Camus, L'étranger, La chute? Non, non, j'ai pas le souvenir. Alors, nous continuons? Oui, mais une autre fois, hein? Je t'ai porté tes fruits. J'ai essuyé tes pieds avant de rentrer. Combien t'en as fumé depuis ce matin? 350 et je te dis merde. Pourquoi tu mets celui-là à la place de tonton Georges? J'en ai marre de sa gueule d'oreille. Mais c'est la famille quand même. Tous des connards! Tiens, encore oublié de prendre tes lettres là. Mais c'est ma pension. Tu veux prendre ma pension, hein? Donne-moi ça! Regarde ce qu'il me fait faire! Grand con, va! Venez vous asseoir. Oh. Alors voyons ce qui vous irait bien. Le bleu, non. Mmh. Ah, voilà. Avec votre petit côté espagnol, danseuse de flamenco. Vous aimez la danse? Bah oui, j'adore ça. C'est vrai que ça vous va à merveille.
Et c'est pas pour vous flatter, c'est pas mon genre. De toute façon, j'ai pas les moyens. Vous me paierez. Un goût de tempérament. Oh, arrêtez. Par contre, il faut que vous me disiez pour la location. De quoi? De votre terrain pour ma caravane. Oh, on s'arrangera. Je peux aussi vous faire la cuisine de temps à autre, monsieur Gardini. Jean-Mi. Qu'est-ce que tu vas mettre ton nez ici, toi? Va chercher ma commande à la supérette au lieu de me regarder avec tes yeux de merlan frit. Oh, ce gosse, il me fatigue. Tu veux ou tu la veux? Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres. Et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà. C'est fini? Oui. Nous aurons lu La Peste en 10 jours, sauf quelques passages. Enfin, vous aurez lu. Non, ne croyez pas ça, Germain. Vous êtes un excellent lecteur. Lire, c'est aussi écouter. Écouter? Mais oui, regardez les enfants, quand on veut leur apprendre à lire. On leur fait la lecture à voix haute. Ben, si on lit bien, s'ils écoutent bien, ils en veulent encore. Et après, ils en ont besoin. Et oui, ils deviennent accros, quoi. Mmh. C'est comme pour la drogue. Parce que moi, j'ai jamais pris de drogue. Mais j'ai jamais pris de livre non plus. Tenez, je vous le donne. Oh non, non. Ah oui, cette fois, gardez-le. Hein. Mmh. Si, j'insiste. Voilà. Sur la terre, nous ne sommes que des passeurs, Germain. Je vous passe un livre. J'ai marqué au crayon tous les morceaux que nous avons choisis et lus. Merci encore. Je ne vous dis pas de rien, parce que ça n'est pas rien. Et si vous voulez, je vous ferai découvrir des textes que j'ai particulièrement aimés. Vous voudriez? Avec vos petits yeux gentils, vous avez dû en faire marcher des hommes, hein, en leur faisant « vous voudriez hein ». Allez, au revoir, Germain. Au revoir, Marguerite. Secousse terrible ébranle le sud du pays. Les bâtiments s'écroulent, 32 personnes meurent sous les décombres. Les blessés se comptent par centaines. Putain, il y en a vraiment qui n'ont pas de peau. Hein. C'est pas les bombes qui leur tombent sur la gueule. Non, c'est la terre qui se débine sous leurs pieds. Et même deux fois, en plus, ils chopent le choléra. Ou la peste, comme à Oran, dans le livre à Camus. T'as lu Camus, toi? Bon, pas tout, hein. La peste, la chute, l'étranger. Et depuis quand, toi, tu t'intéresses au bouquin? Qu'est-ce qu'elle a, la Francine? Ben c'est Youssef, il est parti. Ah bon, où ça? Ah non, pas où, avec Stéphanie, l'infirmière. Ah, mais je savais pas, moi je croyais que... Ah bah oui, ma personne n'a rien vu, et voilà. Non, mais on regarde pas comme ça. Hein. Oh la pauvre. Oh, on s'attriste là, on joue. On trouve pas comme ça, ma poule. Allez, mais Youssef, il va revenir. Allez, ma Francine, t'as quel âge? 50 ans. Comment? Combien? J'ai 50 ans. Ah, quand même. Quoi, quand même? Bah non, je savais pas qu'il y avait une telle différence. Mais de toute façon, Youssef, il le sait bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure tambouille. Ah, je n'aurais que deux mots à dire. Bravo! Bah, c'est normal, j'essaye d'aider, hein. Et puis le Youssef, t'en fais pas, il y en a d'autres. Là, c'est comme la Simca du docteur Pédisson, tu vois. Bah si, tu le connais, viens ici, Pédisson. Elle était plus cotée à l'Argus, et ben il a trouvé acquéreur. Quoi? Ouais. Si. Et dis donc, t'es inspiré, je sais pas si c'est la lecture. Bon, bah j'y vais, moi, salut, j'ai des courses à faire. Et t'as des livres à lire.
Prends ton temps surtout. Ne reviens pas trop vite. Oh, le béret. Le béret. Ces cons-là, ça les fait peut-être rire. C'est compliqué la lecture, tu sais. À toi, je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Mais tu sais, tu lis un mot, c'est bon, on le comprend. Et puis le suivant aussi, puis le troisième. Et puis tu continues, et du bout du doigt, tu surlignes, 8, 11, 12, et comme ça jusqu'au point. Et puis quand tu y es, bah, t'es bien avancé. Parce que le problème, c'est que t'as beau vouloir assembler, pas moyen. Les mots, ils restent en vrac. C'est comme une poignée de boulons, là, avec les écrous que tu jettes dans la boîte. Tu comprends? Les gens qui savent, c'est facile pour eux. Tiens, la marguerite. Si tu voyais cette petite mémé, 40 kilos, fripée comme un coquelicot. Mais dans sa tête, il y a des milliers d'étagères, et dans les étagères, il y a des livres, des livres, des livres, des livres, et elle comprend tout. Salut! Ça va? Qu'est-ce qu'ils sont beaux, tes légumes, une vraie fête. T'aurais dû faire que ça dans ta vie. Jardinier? Non, je voulais être vitrailleur. Vitrailleur? Écoute-le, c'est même pas français. Si, c'est français. Tu la veux? Ah, t'énerve pas, Jacqueline. Où c'est que tu as trouvé cette idée, mon gars? À l'église, sous le grand vitrail. Qu'est-ce que c'est beau. Je pourrais peut-être le faire entrer chez Pyrex, comme apprenti. Je connais une comptable. Je veux pas faire des bols, je veux faire des vitrails. Des vitraux? Et c'est pas un métier? Quoi, je te dégoûte? Aïe! Attends, là, tu touches pas à mon gamin, hein, c'est mon gamin. Non, toi ta gueule. Bon, j'ai fini. De toute façon, c'est dégueulasse. Mais comment tu m'as parlé, là? Tu me fais des excuses tout de suite! Des quoi? Des excuses? Tiens. Aïe! Ça va, t'en veux une autre? Position des pieds droits. Qui centre. Tête de Scherrer. Gardu s'y reprendra deux fois pour récupérer le ballon. Attends, tu vas où, là, comme ça? Rentrer ton fumier? Je rentre pas, je le sors, le fumier. Barre-toi d'ici. Ouais, t'es devant le poste, tu me gênes. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Tout de suite! Oh, putain, qu'il est, t'es folle! Dehors! Je compte jusqu'à trois. Jacqueline, dis-moi, t'as le porte, tu prends un but! Deux! Jacqueline, arrête tes conneries! Je m'excuse! Ah, putain, les malades! Qu'il est! Putain, qu'il est! Tu vas l'enlever! T'as mes nouvelles! Et pas des bonnes! Bonjour Jackie. Bonjour petit. Ah, monsieur le maire, quel bon vent. Tu réponds pas au téléphone? Non, il est coupé. Un dénommé Gardinier a appelé la mairie à propos d'une caravane que tu détiendrais de façon arbitraire. Il veut la récupérer. Eh ben, qu'il vienne, il sera bien reçu. Il vit plus ou moins ici, on m'a dit. Il a vécu. Qu'est-ce qu'il fait de ses 10 doigts, cet homme-là? Il tape sur mon gamin. Hein? Et sur moi. Tu veux porter plainte? J'aurais que mes problèmes toute seule. Tu l'as pas menacé, toi? Qui, moi? Non. Alors l'affaire est close. Au revoir, Jackie. Au revoir, monsieur le maire. Tant que j'y pense, t'aurais pas une fourche? Oh non, j'ai pas cet article. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, tous les deux? Ça commence à compter. Tu fais pas l'imbécile, hein? Non. Et l'engrais? Quoi, l'engrais? Oui, l'engrais. L'engrais, l'engrais, l'engrais. Vous pouvez goinfrer votre terre avec des tombeaux d'engrais, vous savez, si elle est mauvaise, elle restera mauvaise. Vous récolterez tout au plus 4-5 patates grosses comme des billes que si vous avez une terre noire, bien grasse, avec des mottes qui vous collent aux mains, là. Eh bien, cette terre-là vous donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Elle n'a pas besoin d'engrais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germain. Merci pour toutes ces merveilles, mais comment je vais faire pour les emporter? Moi, il me faudrait une brouette. Eh bien, je vais vous les emmener chez vous. Ah. Vous habitez où? Au Peuplier. La maison de retraite à la sortie du bourg. Ah, ben c'est là. Ben oui, il y avait une vieille amie de ma mère qui habitait par là. Eh oui. Elle passait ses après-midi à jouer au Scrabble toute la journée en mâchouillant des lettres, et puis un jour, elle avalait un Z et elle est morte.
Non, excusez-moi, Germain, non. C'est très triste. Je pense beaucoup à la mine de votre mère, mais c'est un regrettable accident. Personnellement, je me trouve très bien dans cette maison de retraite. L'ambiance, la prévenance du personnel. Non, parce que vous savez, la vieillesse, c'est encombrant, surtout pour les autres. Enfin, le privilège de l'âge, c'est que quand on s'ennuie, ben, au moins, c'est plus pour très longtemps. Il y a une phrase là, qui me tourne dans la tête là, dans le roman qu'on vient de commencer. C'est quand il parle de gueuler comme un chien sur la tombe de sa mère. Vous êtes sûr de cette phrase? Ah oui, sûr, oui. Ah oui. Gueuler comme un chien sur la tombe de sa mère. Ah, c'est là. Oui. Vous avez raison. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Oh, Germain, vous m'impressionnez. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. D'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. Mais moi, que c'est j'aimerais bien longtemps. Oh, je demande pardon. Non, je suis confuse, pardon. Pardonnez-moi. Voilà, oui. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Ça, c'est le titre. Le titre, là. Oui. La promesse de l'aube. Eh oui. C'est parce que, au départ, la vie vous fait des promesses qu'elle ne tient pas. C'est exactement cela. Il y a l'amour maternel, et après, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère, comme un chien abandonné. Et voilà. Ouais. Jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Oui, enfin, d'après l'auteur Romain Gary, qui avait une passion pour sa mère. Pourquoi? C'est pas une histoire inventée? Non. Non, c'est l'histoire de sa vie. Si ça avait été l'inverse. L'inverse? Ben oui. Si il n'avait pas été aimé par sa mère, alors, il se serait passé quoi? Je ne sais pas. Si quelqu'un n'a pas reçu assez d'amour dans son enfance, il lui reste encore tout à découvrir. Non? Non, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Vous avez encore votre mère, Germain? Oh, que oui, oui. Comment était-elle avec vous, enfant? Elle s'en foutait. Et maintenant? Elle s'en fout toujours. Avec moi, il n'y a rien. Elle n'est personne. Mais c'est terrible ce que vous dites là. L'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, surtout pour une mère. Ouais. Comme dit Jojo, elle n'a pas la fibre. Elle n'a jamais eu, la fibre. Pour elle, je suis une erreur. Un accident du 14 juillet. Un pétard. C'est quoi ton nom? Jackie. Ah, les poireaux! Les poireaux! Mais dis donc, qu'est-ce qui te prend, là? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Rentre dans ta niche, toi! Attends, qu'est-ce qu'il fait, les poireaux? Non. Qu'est-ce que t'as fait aux poireaux? N'empêche qu'elle commence grandement à m'inquiéter, là. Ce matin, elle m'a arraché tous mes poireaux et elle me l'a jeté à la gueule. Puis l'autre jour, elle voulait repeindre le chat. Ça dépend de la couleur. Oh, alors là, oh. Tiens, t'as changé de coiffure? Ça te va mieux? Non, j'ai rien changé du tout. Ah. Et t'as pas songé à la mettre en maison de retraite? Qui? Bah, qui? Pas Francine, ta mère. Mais sûrement pas, elle voudra pas. Non, bah, tu l'amènes de France. Comment de France? Tiens, présente-toi devant elle, tu vas avoir le coup de fourche que tu vas recevoir dans le bide. Ah bon, bah alors non. Oh, et sa mère, c'est sa mère, hein, t'en as qu'une dans la vie. Oui, ben, moi, j'en ai plusieurs. Oh, arrête, elle est pas si mauvaise.
Pas parce qu'elle perd un peu la boule. Ouais, toi, tu dis un peu, mais elle fait comme le poisson, le pourri par la tête. Non, je te signale que tu parles de ma mère, là. Un peu de respect. Ça va, je rigole. Bon. Quand je pense qu'à son âge, je serai encore entouré d'une bande de cons comme vous, là. Ah, bah, grazie, merci, Francine. Hein. Oh, mon Dieu. Ça me fait plaisir quand tu m'attends au dernier stop. T'aimes ça, le hachis parmentier? Bah, enfin, avec le temps, tu devrais savoir. J'aime tout quand c'est toi. Oh, mon poussin. Attention, là. Ah oui. Tu restes dormir avec moi? Ah oui, pourquoi pas. Alors, c'est ce soir que tu me fais un petit? Plusieurs, si tu veux. Non, sérieux. Qu'est-ce qu'il ferait d'un père comme moi? Même pas le CAP. Même pas capable d'aligner trois mots. Un nul. Qu'est-ce que je peux lui apporter à cet enfant? Hein? Pas de l'amour. Comment va, Francine? À ton avis? La chiale. Oh, merde. Sa petite Stéphanie, elle est jeune, mais elle est chiante. Mais tu me diras, Francine aussi, elle est chiante, mais c'est plus sécure. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Bah, je suis pas à ta place. J'ai déjà du mal à être à la mienne. De toute façon, l'une ou l'autre, hein, je vais te dire une chose. On vient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Ça, c'est vrai. Hein. C'est très vrai, ça. Tu as raison. Andou l'haq. Insa. Bhab min l'bhour. Sois-soi. Ah, mais vous revenez du golf avec votre caddie? Non. Allez, c'est allez. Pour vous. Ah, c'est pour moi. Attendez. C'est quoi? Voilà. Vrai? Un dictionnaire. Ah, comme vous voyez, il n'est pas très neuf. Mais je m'en suis tellement servi. Ah ben oui. Il ne vous sert plus à rien, vous savez tout. Oh non, pas du tout. Non, mais j'ai passé l'âge de voyager. Alors, avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre. On se perd dans un labyrinthe. On s'arrête. On rêve. Ça vous fait plaisir? Ah, énormément. Mais dites-moi, Germain, il me semble que nous n'avons plus rien lu depuis... Promesse de l'aube. Oui, exact. Alors, qu'est-ce qui vous plairait maintenant? Je sais pas, moi, un roman d'aventure, un policier. Bon, oh, alors là... Ah si, si, les Indiens d'Amazonie. Oh bon, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais un album, une bande dessinée, là, qui montrait comment ils vivaient. Ils ont la belle vie, hein. Je prends Ben, à moitié à poil, là, j'ai juste un étui pour cacher leur... Ah bah oui, leur sexe. C'est ça, ouais. Ils landent, ils jouent de la flûte, ils picolent, ils fument des gros pétards, puis ils passent leur temps à regarder les filles avec les seins à l'air. Une petite plume pour sur leur... Je crois que j'ai une autre affaire dans ma bibliothèque. Un roman. Un roman. Oui, mais alors, pour ça, il faudrait que vous veniez chez moi. Oui, enfin, quand je dis chez moi. Non, mais je voudrais pas envahir. M'envahir, oh non. Non, alors, disons mardi, pour le thé. Le thé? Alors, on va pour le thé. Pour trouver un mot, il faut d'abord savoir l'écrire, hein. Hein, Jérémy? Bon, voyons voir. Labyrinthe. L. A. Labyrinthe. Hein. Labyrinthe. L. A. B. B. I. Un. Un R ou deux R? Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Comment tu l'écris, toi? Ça y est, même pas. Oh. Ah là là. Allez, tiens, on va voir, là, voyons les noms des personnes. Hmm? Alors, Marguerite, Barotte, avec un seul T, je veux. Marguerite. Nom de fleurs. Oh, mais ils sont pas foulés. Merci pour le renseignement. T'entends, mon nom de fleurs. Annette.
Annette. Annette. Annette. Ah bah c'est pas comme ça que ça, ça s'écrit, ça. Bah ça veut dire fenouillé. Bah dis-donc. Tiens, on va aller voir Germain. C'est qui est l'autre, Germain, là? C'est Bazeilleux. Ah bah voilà, là, Germain, tiens. Un. Cousin Germain, etc. D'accord. Deux. Habitants de la Germanie. Les Germains. Burgonde, Franc, Goth, Lombard, Saxon, Teuton, Vandal. Oui, mon chéri, Vandal. Eh ben, dis donc, on n'est pas tout seul, hein. Là. Oh, mon petit Jérémy. Tiens, allez, on va aller voir Tomate, hein, puis après, on va se coucher. Hein? Tomate. Voilà, Tomate, quoi? Solanacée. Solanacée pour les tomates, voire olivette. Bah dis donc, c'est tout ce qu'ils ont comme variété? L'olivette? Bah, et la marmande? Hein, et la Saint-Pierre, la beauté blanche, et je t'en cite à la louche, moi. Pourquoi? C'est pas la saison? Ha! Alors, voyons voir. Solanacée. Alors, famille de plantes, dicoltie. Eh merde, en bordel, là! Attends, c'est pas vrai, hein. T'as raison, va, c'est du chinois, c'est pas pour nous. D'abord, il y a plein de mots qui manquent, et puis il y a des mots en trop, alors c'est pas pour nous, ça. Je vais y rendre, la Marguerite. Je t'ai ramené ton linge. À toi. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est des chemises. Oh putain, ce temps. Avec les impôts qu'on paye, là. Ben, c'est ça, enfin, l'égalité. Oh. Plus pour tout le monde, hein. Oh. Et c'est pour qui, les fleurs, là? Certainement pas pour toi, hein. Ah, fais voir, ça. Allez, 4, 5, 6. Oh, la vache, la sable, dis donc. Les chemises, ça vient de chez Tutti Frutti ou quoi? Eh, hey, lâche-nous, tu nous feras des vacances. Voilà. Oui, y a pas de fou. Eh, vous avez vu, là, la salle polyvalente, là, des tags, mais sur toute la longueur. Ah, les connards. C'est qui? Pas des petits cons comme d'habitude, quoi. On est juste de la repeindre, en fait. Qu'est-ce que tu vois? Diabolo fraise, tu vois. Des vandales. Oui, des vandales, des teutons, des lombards. Loubards, pas lombards. Des lombards, c'est comme si tu disais des burgondes, des francs, des goths. Et puis quoi encore? Bah, je sais pas, moi, des saxons, des suèves, des teutons, des vandales. Bah, tout celle qui te commence à nous faire chier, là. De qui tu tiens ça, toi? C'est quand même pas la science infuse. C'est quoi ça, ça dit? Bah, c'est pas là! Te tue, toi! T'es con, toi! Ne commencez pas, là, non? Je veux plus chez moi si c'est pour qu'il y ait des histoires à chaque fois. Ah, ciao, Yousse, comment va? Ah, ciao, adieu, Germain. Oh, il sèche. Oh, bah, bravo, mon Yousse. Je t'ai pas demandé du pain perdu, là. Allez, va vite le sécher. Et toi, avec. Circulation. Dis-moi, il est venu? Tu vois bien, c'est pas un sosie. Ah, c'est pour ça, les... Ben oui. Ah, ben, Francine, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Que c'est dans les lieux. Ma belle aïe, belle Etienne, si tu fais peur, moi, ma belle Etienne, moi. Parfois, t'es malade, ma pierre bassée, là, oh. Non, je disais à Francine. Non, c'est surtout toi, que... tu dis rien. Non, enfin, quoi, ah, bah, si on peut plus causer, alors, dis-donc. Joue. Je viens voir Marguerite. Marguerite. Marguerite comment? Vous savez, on en a plusieurs ici, des Marguerites. C'est Marguerite avec deux T. Ah, Madame Von Bevelde. Ouais. Vous aviez rendez-vous? Oui, pour prendre le thé. Très bien. Premier étage, au fond du couloir. Merci beaucoup. De rien. Allez, on va aller faire un petit tour. Oh, Germain. Tenez, ça vient de mon jardin. Merci. Des fleurs et de votre jardin en plus. Entrez. Voilà. Vous vous promenez avec votre dictionnaire? Non, ben, je vous le rends là parce que j'en ai pas l'usage. Ça me sert à rien. À rien? Oui, parce que les mots labyrinthe et compagnie, comme je sais pas les écrire, eh ben, je les trouve pas. Et puis quand je les trouve, je suis pas d'accord. Regardez dans mon domaine, par exemple, les variétés de tomates. Eh ben, il y en a qu'une, l'olivette. Les autres, elles poussent pas dans votre dictionnaire. Alors là, je vous rejoins, Germain.
Parce que c'est très incomplet, moi. J'ai cherché Morbach. Ben, je le cherche encore, il n'est pas. Ah ben, voyez. Oh, je vous ai même pas dit de les asseoir. Ah, non, 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 pas là, pas là. Oh. Là. Oui, mais... Non, mais c'est trop tard pour moi, vous savez. Ils n'ont pas besoin d'abattre à la tronçonneuse les forêts d'Amazonie pour fabriquer des dicots qui nous servent à rien, nous les idiots, non. Non, c'est comme donner des lunettes à un myope. Tout d'un coup, on y voit trop, quoi. On voit tous les défauts, les trous, on se voit. Avec vous, j'ai essayé d'apprendre, mais... Ça fait du mal. C'était mieux avant, dans le flou, dans le simple. Je vais faire le thé. Moi aussi, quand je vous entends, Germain, ça me fait du mal. C'est vous, là? Sur la photo? Oui. Ah bah dites donc. Vous étiez pas plus épaisse que maintenant, là. C'est où le camping, là? C'est au Zaïre, enfin au Congo, si vous préférez. J'avais été envoyée là pour une mission médicale. L'OMS. Ah, l'OMS, c'est quoi? L'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Attendez, faites-moi donner, donnez. Donnez. Là, voilà. Ah oui, alors donc vous êtes une ex-savante? Oh non, disons scientifique, ça suffit. Je vous sers? Ah, voilà, merci, oh là là, pas tout. C'est quand même bien ici, hein? Oui. Mais c'est très cher. Mon neveu m'aide encore, mais pour combien de temps? Car sa femme n'est pas d'accord. Bon, alors on abandonne. On abandonne quoi? Ben, nos Indiens d'Amazonie. J'avais retrouvé ce roman de Sepúlveda. C'est un écrivain chilien. C'est l'histoire d'indigènes de pays lointains accusés à tort du meurtre d'un chasseur blanc. En réalité, le vrai coupable, c'est une panthère majestueuse. Et ben voilà, laissons nos Indiens retourner dans leur forêt. Non, attendez, attendez. Comment il s'appelle, votre bouquin? Le vieux qui lisait des romans d'amour. Nauséeux, il se releva en brandissant sa machette à deux mains et attendit le combat final. Au-dessus de lui, la femelle agitait frénétiquement la queue. Ses oreilles vibraient, captant tous les bruits de la forêt, mais elle n'attaquait pas. Surpris, le vieux bougea doucement pour récupérer son fusil. « Pourquoi tu n'attaques pas? C'est quoi ce jeu ?» Il arma les percuteurs et visa. À cette distance, il ne pouvait la rater. « Alors après ?»« La prochaine fois, Germain. »« Ah oui, vous êtes fatigué. Ben, » C'est-à-dire que, au-delà d'aujourd'hui, je crois que je ne pourrai plus vous faire la lecture très longtemps. Ah bon, pourquoi? Ben, je n'y vois plus très bien. J'ai ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. J'ai des taches sur les yeux, au centre, des taches qui vont aller en s'augmentant. Je peine à lire. Ah, c'est pour ça, la loupe? Oui. Bientôt, mon cher Germain disparaîtra dans la grisaille. Je pourrai plus compter les pigeons. Mais on, ça ne peut pas s'opérer. Ma vue est en train de mourir. On n'opère pas la mort. Et bientôt, il me faudra une canne pour les obstacles dans la rue. Ouais. Non, allez. La canne, je m'en occupe. C'était pour qui, les fleurs? Parce que ce matin, quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Toute la journée, j'ai attendu. Je t'ai guetté à chaque arrêt. Pourquoi je t'offrirais les fleurs? Ah bah ouais. Pourquoi? C'était pour qui? Hum? Je suis pas Francine, moi! Tu peux pas me faire le coup de Youssef? Tu l'aimes?
elle s'appelle? Elle s'appelle Marguerite, avec deux T. Les fleurs, c'était pour elle. Et ça aussi, c'est pour elle. Elle a 95 ans. Oui, je l'aime. Ça te va? T'es complètement cinglé. Assieds-toi. Assieds-toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Comment j'aurais pu, dans quel ordre? Une vieille dame qui compte les pigeons, un dictionnaire où tu t'appelles Fenouille, et puis une ville envahie par les rats, mais personne m'aurait cru. Et si moi je t'aurais cru? Tu la verrais toute fragile avec ses petites pattes fines. On dirait ces petits animaux en verre qui vendent ses grands jantes à la papeterie. La biche qui est dans la vitrine. Je pourrais la casser comme ça. Maintenant, elle va voir le film en noir et gris, puis après elle le verra en noir et noir. Tu trouves ça juste, toi? Elle va devenir aveugle. Oui, elle va devenir aveugle. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Il a un coup de lave-glace, là, pour des embûts des yeux. T'énerve pas, Germain. Je m'énerve pas. Qu'est-ce qu'il va devenir avec son regard dans le potage? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces livres, à elle? Elle lit comme elle respire. Alors, quand ça s'arrêtera de lire, qu'est-ce que... T'as qu'à lui lire, toi. Quoi? Si elle peut plus lire, t'as qu'à lui lire. Mais je pourrais, moi. Tu dois essayer, Germain. Tu vois? Ça calme. C'est magnifique. Je peux vous aider? Oui, bonjour. Je cherche un livre. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous avez une idée du titre ou de l'auteur? Non, un livre, c'est tout, un livre. Un essai, un documentaire, une fiction? Là, je voudrais, je sais pas, un livre qui raconte une histoire, un livre. Mais quel genre? Courte. Un roman? Ah oui, un roman, ça serait bien. Mais pas trop gros, puis facile à lire. Un roman, j'aimerais. Pas trop gros, facile à lire. Oui. Comment s'était formée cette rue flottante? Jusque-là, ça va, ça veut rien dire, mais ça va. Quel mari avec le... Quel marin? Ah oui. Quel marin, avec l'aide de quel architecte, l'avait construite dans le haut Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres. Putain, ça fait profond. 6000 mètres, ça fait 6 kilomètres. Merci. On fait rien dire que l'Atlantique, il est où, là? Cette longue rue, ces toits d'ardoise. C'est humble boutique, immuable. Ah merde, ça commence, puis j'ai plus le dico. Immuable. Immuable, c'est quand ça bouge pas. Tu vois, comme toi, par exemple, quand t'es pas d'accord, c'est immuable. Ah, immuable. Comment cela tenait-il debout, sans même être ballotté? Ballotté, oui, oui, par les vagues. Ballotté par les vagues. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Qu'est-ce que tu comprends pas là? Non, c'est... Je me dis que cette mouflette toute paumée au milieu de rien, c'est comme Marguerite larguée, comme un moineau. Comme s'il vivait, aimait, et se trouvait toujours sur le point de mourir, un être infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques. Plus vite, reprends. Comme s'il vivait, aimait, et se trouvait toujours sur le point de mourir. Un être infiniment désiré.
Plus fort. Comme quand on fait l'amour. Quoi? Bah oui, tu dis plus vite, plus fort, comme quand on fait l'amour. Arrête, Germain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien quand on le fait, mais j'aime pas quand on en parle. Allez, continue. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est complètement cinglé, je te le fais. Aïe, 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 donne-moi ça, donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais laisse-moi, je te préviens. J'appelle la police, hein, moi. Mais non, enfin, c'est ça, des rangs. Non, mais au secours. Au secours. Non, mais je t'emmerde, merde. Oui, maman, mais laisse-moi. Monte. Ah, mais tu me fais mal. Arrête, monte, je te dis. Attention, ta tête. Mais tu me fais mal, connard. Ah, mais je suis fatiguée. Tu me fatigues. Mais tu me fais... Allons, voilà. Voilà. Oui, attends, je vais te faire du café, hein. Oui. Oh. Oui. Maintenant, je vais te dire qui c'est ton père. C'est Luis Mariano. Je l'ai travaillé avec un fer à souder. Le tour de l'œil, là, c'est pour ça qu'il est noir. Ensuite, je l'ai brossé au papier de verre. Et après, j'ai lustré avec une peau de chamois. Et ensuite, je l'ai verni. Hein? Comment vous la trouvez? Elle est belle? Je ne la déteste pas, Germain. Mais c'est une litote. Vous n'êtes point laide pour dire vous êtes belle. C'est une litote. Je ne la déteste pas pour dire je l'adore. Je l'adore, Germain. Gardez les yeux fermés. J'ai une petite surprise pour vous. Et pourquoi, quoi donc? Non, mais les yeux fermés. Ah. Alors, quel marin, avec l'aide de quel architecte, l'avait construite dans le haut Atlantique, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres? Ça s'appelle l'enfant de la haute mer. Jules Superviel, continuez. Cette longue rue, ces toits d'ardoise, ces humbles boutiques immuables, comment cela tenait-il debout sans même être ballotté? Ça vous plaît? Beaucoup. Je continue? Continuez. Fermez les yeux. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille? Oh là là, save the world! Eh bien, dès que t'as fini de sauver le monde, tu remets tourner ici, ok? Mais... À toi. Bravo! Mes seigneurs. Mes seigneurs, l'autre. on fait pas la belle? Ah non, j'ai pas le temps. Non, mais t'as pas le temps de quoi? De parler avec tes amis? De jouer avec tes amis? Mais qu'est-ce qui se passe, Germain? Tu bois presque plus, tu dis des mots qu'on comprend rien du tout, tu t'en vas. Mais où ça s'arrête, ça? Non, mais c'est vrai que t'as changé. Et nous, on préfère aller. Il va finir par plus baiser. Hein. Je plains la pauvre Annette. Annette, je ne la baisse plus. T'as raison. Maintenant, on fait l'amour. Si je connais 5-6 mots de plus, eh ben, faut pas m'en vouloir. Et si je vous plais pas comme ça, eh ben, moi, je vous emmerde. Et c'est pas une litote. Bien joué, ouais. Tous les seuls, mais c'est pas vrai. Tu peux pas au moins être là en bas? Thank you.
Monsieur Chad. Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Je vous attendais. Bonjour, monsieur Chaz. Les condoléances attristées, asseyez-vous. Alors, voyons voir. Votre mère n'ayant aucun autre héritier, la maison vous revient. Hein. D'autre part, il y a une somme de... La maison ? Ben, sa maison. Hein. Mais elle était locataire, ma mère. Elle l'était. Et puis, elle l'a achetée en viager à monsieur Blondeau, en économisant sous par sous. Elle en a fait les heures supplémentaires à la conserverie. Le jour, la nuit. Et puis, bah, elle a eu raison, parce que, bingo, hein, il y a 6 ans, le père Blondeau, il est mort. Allez. C'était pour vous, tout ça. Elle vous l'avait pas dit? Non. Puis, bah, il y a cette boîte-là que je dois vous remettre. Enfin, je vous avoue que je ne l'ai même pas ouverte. C'est votre mère ? C'est mes parents. C'est quoi ça ? Quoi donc ? Un plastique, là. Ah. En fait, je vous avais dit que je l'avais pas ouverte, mais... Quand j'ai vu ça, ça m'a... D'après elle, c'est un morceau de... votre cordon ombilical. Jamais un regard, jamais un mot. Jamais. Pendant des années. Elle a mis plein de ronds de côté pour moi, rien que pour moi. Tu le crois, ça ? Oui, je le crois. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce bazar, moi ? Par la photo. Fais voir la photo ? Tiens, regarde, regarde. J'étais tout jeune. Oui. Et beau. Ils sont aimés combien de temps ? Oh, longtemps. Longtemps. Au moins 5 minutes. Je suis enceinte, Germain. Ah ? Je suis enceinte. Ah. Ah. Doucement. Ah. Doucement. Ah. Arrête-toi, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Bah non, il faut que je le dise à Marguerite. Tiens. Tiens la boîte. Passe-toi. Elle est partie. Mais comment ça, elle est partie ? Bah, sa famille est venue la reprendre, son neveu et sa dame. Et pourquoi la reprendre ? Ils pouvaient plus payer. Ils sont venus quand ? Bah ce matin. Sans prévenir ? Ils nous ont prévenus, nous. Ils l'ont pas prévenu, elle. Elle reviendra pas ? Vous savez, je crois pas. Hein. Ils sont venus avec la camionnette, ils ont tout emporté. La mamie, les meubles, les livres. Ils habitent loin ? Oh là, au diable Vauvert. C'est où ça, le diable ? Au nord-est de la Belgique, presque en Hollande. Il y a une adresse et un téléphone.
Elle n'a pas laissé une lettre pour moi. Allez, c'est ça pour vous. Ah, merci. Ah, oui, je... Cachou, Pierrot, Cocotte, Bonheur, Motu. Le boule, t'es avenu, toi. Marguerite. Bonjour, je viens voir Marguerite. Bonjour, ben, elle n'est pas là, Marguerite. Vous êtes son neveu? Oui, mais elle n'habite pas ici, hein. Elle est où? Vous êtes qui? Je suis Germain Chaz, son ami. Ah bon, vous savez, on l'a aidé tant qu'on a pu, on n'a pas pu la garder, hein. On n'est pas Crésus non plus, hein. Elle est où? Chou, t'as l'adresse? On va vous la donner. Madame Van de Velde, s'il vous plaît. Even wachten, meneer. Non, Van de Velde. Een minuutje, ik ben zo aan u. Oui, ça va. Meneer, u kunt niet zomaar naar binnen. Meneer! Meneer! We komen u zo halen voor de bloedopname. Vous croyez que c'est poli de vous sauver comme ça? Vous croyez que c'est correct? Oh, quelle bonne surprise! Il y a des roues là? Par là. Oh, qu'est-ce que vous faites? Il y a des roues, alors allons-y! Mais vous ne vous rendez pas compte, Germain? C'est un enlèvement sans les papiers administratifs, sans l'accord familial, sans permission de sortie. Oh, quel imbroglio! Imbroglio? Et le temps qu'il trouve le mot dans le dictionnaire, on sera déjà chez nous! Chez nous? Comment chez nous? J'ai pas de chez nous! Ben enfin! Si, chez moi! Oh, Germain! Ah, oh, dites donc, ils ont l'air toujours aussi fameux, vos sandwichs! Vous en voulez? Oh oui, oui, cette fois je veux bien! Merci! Voilà! Bon appétit! Merci! Une rencontre pas ordinaire, entre amour et tendresse. Elle n'avait pas d'autre adresse. Elle avait un nom de fleur. Elle vivait au milieu des mots, des adjectifs tirés par les tifs. Des verbes qui poussent comme des herbes. Il y en a qui passent en force. Elle est passée en douceur, de mon écorce à mon cœur. Dans les histoires d'amour, il n'y a pas toujours que de l'amour. Parfois, il n'y a même pas de « je t'aime ». Pourtant, on s'aime. C'est une rencontre pas ordinaire. Je l'ai trouvée par hasard sur un banc de mon square. Elle faisait pas trop d'écume, pas plus grosse qu'une colombe, avec ses petites plumes. Elle était au milieu des mots, des noms communs comme moi. Elle m'a donné un livre, puis deux, des pages qui m'ont éclaté devant les yeux. Meurs pas maintenant, t'as le temps, attends. C'est pas l'heure, ma petite fleur. Donne-moi encore un peu de toi. Donne-moi encore un peu de ta vie. Attends. Dans les histoires d'amour, il n'y a pas toujours que de l'amour. Parfois, il n'y a même pas de « je t'aime ». Pourtant, on s'aime.